titre, donc c'est la catastrophe comme événement fondateur, le nationalisme basque et la question de l'immigration. Bien, donc, je vais aborder une période un petit peu différente, qui est la fin du 19e siècle et début 20e, et aborder surtout cette question-là à travers le discours que tient l'idéologue du nationalisme basque, qui est Sabino Alan. Et donc je vais analyser un petit peu son discours, essayer de voir dans quelle mesure il essaye de penser la catastrophe et qu'est-ce que la catastrophe pour lui finalement. Dans quelle mesure il y a tout un discours sur quel est l'événement qui va créer, qui est à l'origine finalement du nationalisme basque, et donc revenir un petit peu sur cette question-là et voir que finalement c'est non pas la perte des fueros basques qui sont à l'origine du nationalisme basque, mais plutôt la vague d'immigration qui se produit au Pays basque à la fin du 19e siècle, qui est à l'origine du récit identitaire que va créer en fait Sabino Alan. Bien simplement, je voulais vous dire aussi que de nos jours, en fait, le Pays basque constitue au sein de l'État espagnol l'un des territoires les plus hétérogènes sur le plan démographique. C'est une hétérogénéité qui devient perceptible dès les années 1880 et elle se traduit par une diminution constante du nombre de Basques de souche. À titre d'exemple, on peut signaler par exemple que les autochtones de seconde génération ne représentent plus à l'heure actuelle que 40% des habitants du Pays basque. Bien que particulièrement significative, cette donnée semble néanmoins secondaire pour certaines formations politiques et en particulier pour les nationalistes basques. En effet, leur discours insiste d'une part sur tout ce qui différencie les Basques de leurs voisins sur le plan culturel et d'autre part sur l'existence d'un conflit séculaire entre Basques et Espagnols, conflit que l'idéologue du nationalisme basque, Sabino Arana, considéré comme essentiel à la compréhension de l'histoire de l'Euskadi. Ce conflit dont la violence terroriste de l'ETA constituerait l'un des prolongements aurait notamment été marqué au XIXe siècle par la défaite des Basques en 1839, date de la fin de la première guerre carliste et moment à partir duquel la constitution espagnole prime sur les fueros. Synonyme de catastrophe nationale pour Sabino Alan, la date de 1839 acquiert ainsi la dimension d'une frontière qui sépare l'histoire entre une tragédie, entre un avant et un après 1839, lecture dont les conséquences sont évidentes. Tous les événements et les phénomènes ayant lieu au Pays basque à partir de 1839 découlent de ce désastre et par conséquent deviennent secondaires. Dès lors, on comprend mieux pourquoi bon nombre de nationalistes basques estiment que l'immigration des populations originaires des régions limitrophes ne constitue qu'un épiphénomène, l'une des conséquences de cette catastrophe, la preuve de l'invasion dont aurait été victime l'Euskadi à partir de 1839. Au-delà, cette lecture transforme 1839 en événement fondateur du nationalisme basque. Or, il me semble que cette approche est peu soucieuse des écrits et de la trajectoire personnelle et intellectuelle, ainsi que du rapport à l'histoire de Sabino Alan. En effet, même si les événements de 1839 sont essentiels à la compréhension de l'idéologie nationaliste basque, puisqu'ils lui confèrent la légitimité historique indispensable à son développement, cette lecture permet notamment de présenter les Basques comme des victimes et de mettre l'accent sur la prétendue existence d'un conflit séculaire. Une telle approche masque, me semble-t-il, la dimension xénophobe que revêt le nationalisme basque lors de sa fondation, et elle fait aussi l'impasse sur ce qui est au cœur du processus qui conduit Sabino Alan à devenir l'apôtre du nationalisme basque, c'est-à-dire l'installation au Pays basque de milliers de personnes sans aucun lien avec la culture et la langue basque.
En ce sens, l'immigration constitue la catastrophe originelle, le phénomène qui conduit Sabino Arana à élaborer un récit identitaire fondé sur une rhétorique de l'altérité où le basque et la figure de l'immigré entretiennent une relation spéculaire qui les rend indispensables à la cohérence de l'idéologie nationaliste basque. Cette communication revient donc sur la fonction de l'immigration dans l'articulation du récit identitaire que propose Sabino Arana, et elle aborde également, en fait, il s'agit également d'une réflexion sur l'instrumentalisation de la catastrophe et sur son utilisation à des fins politiques. Bien, donc, si je vais essayer de contextualiser un petit peu, donc si l'on essaie de revenir sur le contexte dans lequel Sabino Arana élabore son récit identitaire, il me semble indispensable de rappeler que la fin du XIXe siècle est synonyme au Pays Basque de profonds bouleversements politiques et économiques. On observe en particulier une remise en question sans précédent de la société traditionnelle, dite traditionnelle. Après 4 années d'un conflit dynastique au cours duquel une partie de la population et des élites a lutté aux côtés des carlistes contre le gouvernement espagnol, le 21 juillet 1876, la monarchie espagnole abroge les fueros. Ces fueros sont des reliques du Moyen-Âge, des privilèges et des coutumes codifiés qui régissaient l'administration et des différentes provinces basques, tant sur le plan politique qu'économique. Leur suppression renforce la centralisation de l'État espagnol et accroît la déstabilisation de la société rurale amorcée quelques décennies auparavant. En Biscaye, la décision des autorités ouvre la voie à une mutation économique de grande ampleur, similaire à celle qui se déroule en France, en Angleterre et en France, entre la fin du XVIIIe et la première moitié du XIXe siècle. Cette transformation de l'économie locale est intimement liée aux minerais de fer extrêmement riches et faciles à extraire dont regorge la périphérie de Bilbao. En effet, son exploitation industrielle à partir de la seconde moitié du XIXe siècle et son exportation vers des pays comme l'Angleterre génère un afflux considérable de capitaux qui enrichissent la bourgeoisie locale et stimulent l'industrialisation en premier lieu de la Biscaye et par la suite du reste du Pays Basque et en particulier du Guipuscoa à partir du début du XXe siècle. Au-delà, c'est la place qu'occupe le Pays Basque dans l'économie espagnole qui s'en trouve modifiée. À partir des années 1880, l'essentiel de l'industrie lourde espagnole se concentre en Biscaye et à Bilbao en particulier, et Bilbao devient également le principal centre bancaire et la seconde place financière après Madrid. Cette évolution économique a également de profondes répercussions sur le plan démographique. Les besoins en main-d'œuvre de l'industrie biscayenne permettent d'absorber une partie de l'excédent humain de territoires tels que la meseta ou la crise du monde rural provoque la détérioration des conditions de vie des paysans. Et donc, de nombreuses personnes originaires des régions limitrophes, Castilla-León, Asturias, mais aussi, c'est très important, des campagnes basques, s'installent à Bilbao et dans sa périphérie. Entre 1877 et 1900, l'essentiel de la croissance démographique de ce territoire, soit 80%, est généré par l'immigration. En 25 ans, la population de la Biscaye est multipliée par 2 et celle de Bilbao par 3. Au-delà, ce sont la plupart des villes de la région qui sont en pleine mutation. La population vivant entre 1860 et 1900 dans des zones urbaines ou semi-urbaines est de fait multipliée par 5 sur l'ensemble du territoire. Cet accroissement de la population urbaine modifie l'ensemble de la démographie de la région, un bouleversement qui a des conséquences dans de nombreux domaines. Le Pays basque se transforme socialement et culturellement, le nombre de bascophones se réduit considérablement et le degré de métissage de la population s'accroît. En 1900, la proportion d'habitants de Bilbao et de sa banlieue ayant des liens directs ou indirects avec l'immigration s'élève à environ 60%. Dès lors, dans les villes et surtout à Bilbao, les formes de vie traditionnelles sont remises en question par de nouveaux comportements collectifs représentatifs de la société de masse qui s'impose dans la région.
à la fin du 19e siècle, l'arrivée massive de ces migrants, originaires de régions telles que la Castille, comme je l'ai dit, se déroule dans une société dont une partie des membres éprouve un profond ressentiment à l'encontre de la couronne espagnole responsable, comme je l'ai dit, en 1876, de l'abrogation des fueros. Ce ressentiment est accentué par les bouleversements que génère la disparition des fueros, en particulier l'instauration donc d'un modèle capitaliste où la grande bourgeoisie industrielle a remplacé les notables qui contrôlaient auparavant les institutions locales. À leurs yeux, ce modèle a certes transformé Bilbao en une ville prospère, mais il a surtout provoqué une érosion rapide du tissu social traditionnel. Alors que le reste de la région demeure en général une société rurale composée d'une population autochtone, Bilbao et sa banlieue se sont métamorphosés en un territoire peuplé en grande partie d'individus étrangers à la culture locale et par conséquent en un contre-modèle qui ne peut que susciter la répulsion et le mécontentement de tous ceux qui idéalisent le passé de la région. De fait, la réaction de cette partie de la société basque est d'autant plus intense qu'elle adhère depuis de nombreuses années à la représentation du Pays basque que propose le fueurisme, un mouvement politique et culturel qui dénonce la remise en question de la société locale. En fait, depuis le milieu du 19e siècle, l'activité du fueurisme se traduit entre autres par l'élaboration de mythes politiques s'inspirant de récits traditionnels produits au cours des siècles précédents et qui avaient déjà pour objectif de défendre les institutions locales contre les velléités de la couronne espagnole. Les fueristas publient ainsi des œuvres ruralistes relatives aux mœurs ou des romans historico-légendaires qui abordent l'histoire antique et médiévale du Pays basque. Ils y valorisent la basquité en célébrant l'excellence de la société locale et la légitimité des institutions basques. Ils décrivent une société heureuse et prospère, protégée par les fueros et respectueuse de la tradition et du catholicisme. Cette production alimente dès lors un sentiment de nostalgie pour un pays basque ressemblant dans une certaine mesure au paradis céleste. Dans leurs œuvres, les fueristas affirment que la région était au cours du Moyen-Âge une société indépendante, démocratique et fondée sur l'égalité entre les individus. Selon eux, les Basques, après avoir résisté à de multiples invasions, auraient établi un pacte avec la couronne de Castille, pacte que l'État espagnol aurait rompu en 1876 après la dernière carliste. Ce discours a un impact important au sein de la société locale, dans la mesure où il nourrit une forme de patriotisme basque proche du régionalisme, mais qui n'implique absolument pas de rejet de la nation espagnole. En effet, les fueristas revendiquent leur profond attachement, pas toujours, mais une grande partie d'entre eux, à l'Espagne, dont les Basques seraient la quintessence. L'abrogation des fueros en 1876 accentue donc l'idéalisation du passé chez les fueristas et leurs sympathisants. Une idéalisation fondée sur la rupture d'un ordre juste et séculaire et qui conduit certains fueristas à créer des sociétés en Navarre ou au Pays Basque revendiquant la réinstauration des fueros. Parallèlement à cette activité, la Biscaye est confrontée à un accroissement de la xénophobie à l'encontre des migrants venus de Castille, des migrants qu'il qualifie de « maquetos », terme à l'origine obscure et qui viendrait éventuellement du basque maquito signifiant idiot. L'emploi de ce terme démontre qu'il existe dans ce territoire à la fin du 19e siècle la croyance certes en l'existence d'une race basque, mais surtout la conviction que le nom basque est suspect, porteur d'une forme d'impureté susceptible de corrompre. Au-delà, l'utilisation courante de ce terme souligne à quel point l'arrivée des migrants est interprétée comme une catastrophe, une invasion dangereuse, synonyme de dégénérescence. Parmi les Basques qui adhèrent à cette vision de la société, à cette vision des migrants, on retrouve Sabino Arana, le père du nationalisme basque. Ce fils de carliste, profondément croyant et largement influencé par le milieu réactionnaire dans lequel il baigne depuis son enfance, il est non seulement issu
d'une famille carliste, mais il a été également scolarisé, mais comme beaucoup d'enfants et d'adolescents de notables de cette époque, dans des écoles fondées par des religieux basques, dont une partie importante non seulement soutient Don Carlos, mais approuve également la doctrine énoncée dans le syllabus en 1864. Dès lors, l'avènement de la société industrielle en Biscaye, événement perçu comme la manifestation de la toute-puissance du libéralisme, ne peut être interprété par Sabino Arana que comme un désastre. La Biscaye de la fin du XIXe siècle incarne pour lui une contre-utopie, un cauchemar symptomatique de l'ampleur du cataclysme auquel serait confrontée la région. Son désarroi est d'autant plus grand qu'il assiste dès son adolescence à la mutation économique et démographique à laquelle est confronté ce territoire. Il faut rappeler qu'il est né à Bando en 1865 et est une commune annexée en 1870 par Bilbao. Arana peut donc y observer la disparition d'un univers dans lequel il a grandi, un univers en totale opposition sur le plan socioculturel avec celui qui s'impose au début des années 1880. Il constate en particulier que l'urbanisation galopante qui frappe à Bando et l'industrie qui se développe à ses portes ont un corollaire sur 10 ouvriers travaillant dans les usines de Bilbao et de sa banlieue, 8 sont nés hors du Pays basque, données auxquelles s'ajoute la marginalisation croissante de la langue basque et donc des individus ignorants ou maîtrisant mal le castillan. À cette situation s'ajoutent plusieurs éléments. Une partie de ces migrants est en rupture avec l'Église et adhère aux idéologies de gauche, notamment au socialisme. Ces migrants réunissent ainsi un ensemble de caractéristiques qui ne peuvent qu'alimenter l'hostilité d'Alan et surtout le conduire à dénoncer le système en place. C'est-à-dire, ils sont en général non basques, fréquemment anticléricaux, bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et également, il y a un grand nombre d'entre eux vont adhérer au Parti Socialiste. Enfin, il existe un autre élément qui me semble qui va être décisif dans l'évolution de la pensée de Sabino Arana. Il est issu d'une famille de notables traditionnels, relativement aisés, mais qui subit depuis la fin des guerres carlistes un déclassement constant. En effet, la déroute des carlistes en 1876 provoque d'une part la marginalisation politique du père et d'autre part une réduction importante des revenus familiaux, lesquels ont été consacrés à financer les troupes de Don Carlos et des chantiers navals dépassés sur le plan technologique. Dès lors, Sabino Arana n'est pas seulement spectateur d'une mutation perçue comme une régression, il est lui-même et sa famille dans un processus de déclin sur le plan politique et socio-économique. Il ne peut donc qu'idéaliser le passé et rejeter le présent, notamment celui qu'il incarne, soit le maquette. Ce dernier est au cœur du basculement qui se produit dans la pensée de Sabino Arana. Le maquette avec lequel Sabino Arana partage le même espace urbain est l'élément qui provoque le déclic. En ce sens, l'immigration est l'événement fondateur du nationalisme basque, car elle est le phénomène qui légitime le questionnement permanent de Sabino Arana sur la validité du modèle qui est en train de s'instaurer au Pays basque. L'immigration et la figure du maquette sont aussi les catalyseurs de la soif pour l'histoire qui anime l'idéologue pendant une partie de son adolescence, et surtout par la suite, car en tant qu'élément révélateur d'une crise de la société locale, l'immigration et la figure du maquette l'incitent à rechercher constamment dans le passé une explication au problème que pose, selon lui, le processus auquel est confrontée la région. L'histoire et certains mythes traditionnels permettent en définitive de corroborer le constat et apportent les solutions nécessaires à la résolution des dysfonctionnements observés. L'histoire a certes une fonction didactique importante, mais elle demeure secondaire. La situation présente est en fait le véritable enjeu. C'est pourquoi, parmi les mots qui touchent le Pays basque, l'immigration constitue la pire des catastrophes, reléguant la perte des institutions et la disparition de la langue au second plan, comme le rappelle donc ce
cette citation tirée d'un article intitulé « Effectos de la invasion » publié en 1897. Ainsi, on comprend pourquoi la révélation, soit la nécessité de l'indépendance de la Biscaye puis du Pays Basque, ne se produit qu'en 1882, lors d'un entretien avec son frère Luis, même si Arana affirme que c'est son frère qui le persuade de l'idée selon laquelle le Pays Basque est une nation opprimée, la réalité est beaucoup plus complexe, me semble-t-il. La révélation qui se produit à ce moment-là est en fait le résultat d'un processus. En fait, Sabino Arana arrive au terme d'une première étape où l'observation de la réalité et la lecture d'ouvrages, d'histoires, de mythes, ne vont pas cesser d'alimenter la réflexion jusqu'au basculement définitif, soit l'abandon du carlisme et l'adhésion au dogme suivant, la société biscayenne et au-delà le Pays Basque sont menacés de mort. Pour les sauver, il faut éloigner le corps malade de la source d'infection, c'est-à-dire séparer le Pays Basque de l'Espagne. Cette métaphore biologique au cœur de la pensée de Sabino Arana repose sur une réinterprétation de l'histoire locale, réinterprétation qui conduit Sabino Arana à affirmer que le Pays Basque a totalement été asservi à partir de 1839, date à partir de laquelle la constitution espagnole prime sur les fueros basques. Son interprétation, qui plus est, réduit le passé de la région à un conflit quasi permanent avec l'Espagne. L'histoire locale devient ainsi le théâtre d'une série de guerres, d'affrontements sanglants, de guerres de libération que l'Euskadi a successivement perdues et qui se sont soldées par l'abrogation des fueros présentés comme les constitutions des États basques. Cette relecture de l'histoire est largement reprise dans les nombreux écrits et articles que publie Alan au cours des années 1890. Elle sert également d'assise à son programme politique, soit la création d'un État indépendant et théocratique, une confédération réunissant les 6 provinces basques et la Navarre, une nation racialement pure, à l'abri des effets pervers de l'immigration et de l'industrialisation. Son mot d'ordre est « Raúl Goico », alors je ne sais pas si je prononce bien, tu me diras, « Maïtane »,« Raúl Goico est à la guitarra, Dieu est la vieille loi ». La religion est par conséquent une composante essentielle de l'idéologie de Sabino Arana, à tel point qu'elle articule l'ensemble de l'univers symbolique sur lequel repose son discours. Dès lors, l'Apocalypse ou le déluge servent fréquemment de substrat à la représentation de la catastrophe qui dévaste l'Euskadi, comme le montre cette citation. Imprégné de références religieuses, son message se focalise sur celui... Alors, je suis l'auteur des traductions, alors j'espère que je n'ai pas laissé de coquilles, mais bon, voilà. Alors, donc, son message se focalise sur celui qu'il considère comme le parfait représentant de la race basque, soit le paysan croyant, respectueux des enseignements de l'Église, et sensible à un point essentiel de sa doctrine... L'immigration et l'industrialisation éloignent le Basque de Dieu. Ces fléaux modernes sont les signes avant-coureurs du jugement dernier, de la disparition d'une culture et d'une langue que ses fils s'avèrent incapables de protéger contre l'invasion des maquetos impies. Cette utopie s'organise selon un schéma bien connu qui s'inspire du dogme catholique, Éden, perte, restauration, paradis, péché, rédemption. Elle fonctionne par opposition et décrit parallèlement un modèle et son contre-modèle. Ordre divin, désordre humain, bonheur, malheur, etc. Cette structure est fondamentale à la cohérence et au fonctionnement du projet nationaliste tel qu'il est formulé à l'origine. Dès lors, on comprend mieux pourquoi la revendication de l'indépendance d'une Euskadi catholique et racialement pure est intimement lié à la diffusion d'un discours fondé sur une relation spéculaire inversée où le basque idéal n'existe qu'à travers l'opposition à son double antinomique, l'espagnol, un discours où les tares de l'un renvoient aux vertus de l'autre,
où la construction de l'un est impossible sans la connaissance de l'autre. Dans l'espagnol, le basque reconnaît un homme-moi et ce dernier incarne à son tour l'image en négatif de l'espagnol, représentation qui lui donne sens. En définitive, chacun appartient au champ de l'autre et participe à l'identification et l'édification du moi idéal que propose Sabino Arana. Par ce procédé, Arana oppose certes l'excellence à la médiocrité, mais cela lui permet notamment de construire un récit dans lequel il magnifie le mythe du peuple élu en forgeant celui du peuple déchu. Un peuple déchu, bien évidemment, condamné pour s'être éloigné des enseignements divins. Pour les contemporains de cette époque, le message devient alors évident, les deux races sont incompatibles, un contact prolongé entraînant la dégénérescence raciale et religieuse des Basques. Cette incompatibilité raciale repose également sur une notion essentielle, l'antimaquétisme. Cette notion est l'expression de l'anti-espagnolisme qui caractérise le projet de politique d'Arana à ses débuts. Son discours instrumentalise la violence et la rapidité avec laquelle se transforme la Biscaye en faisant appel à une figure bien connue et rejetée par de nombreux biscayens, comme je l'ai dit, c'est le maqueton. Ce dernier donne corps à l'anti-modèle susceptible de fédérer et de mobiliser les Basques en faveur de l'indépendance, et ce, d'autant que le maqueto est un condensé de tous les stéréotypes circulant en Biscaye sur les Espagnols. Par ce procédé, Arana forge un discours où s'oppose l'incarnation du mal, le maqueto lié à l'Espagne, et l'archétype du bien, le basque croyant, incarnation de la Biscaye euskadi, comme le montre cet extrait d'article. En opposant les Biscayens au peuple, je cite, du blasphème et du couteau, Sabino Arana se fait l'écho de la xénophobie ambiante tout en la renforçant. L'objectif est de mettre en place une ségrégation raciale isolant le maqueton et empêchant la dilution de la race basque, dilution à laquelle essaie de parvenir l'État espagnol selon Sabino Arana. L'idéologue veut élever une barrière entre la race basque et les travailleurs immigrés qu'il décrit comme des parasites dénués de toute humanité. Alors j'espère que vous avez eu le temps de terminer, c'est assez intéressant. C'est bon ? Voilà. L'utilisation de cette métaphore biologique souligne le profond mépris du maqueto, mais aussi la volonté d'Arana de réorienter les principales représentations qui circulent au Pays Basque. En déshumanisant les migrants, il veut provoquer une rupture radicale avec l'Espagne, un rapport de force avec celui qu'il désigne comme l'envahisseur. Il s'agit en particulier de convaincre les Biscayens que les maquetos appartiennent à une race inférieure, venu d'un pays décadent et corrompu. Il faut mettre un terme finalement au pillage des richesses, c'est toujours le discours de Sabino Arana, et à l'affaiblissement de la race. Mais pour Arana, le conflit n'est pas uniquement racial, il est aussi d'ordre idéologique, diffusé par les maquetos, le socialisme, selon lui, et son corollaire, l'anticléricalisme, constituent des fléaux modernes qui sapent les fondements de la société basque. Dans ces conditions, la ségrégation raciale doit être renforcée par la mise en place d'une barrière linguistique qui rende la communication entre les deux races particulièrement difficile. Pour y parvenir, Arana demande aux Biscayens de renoncer à la langue espagnole et de parler le basque. Ils pourront ainsi se consacrer à Dieu et à leur race, comme le souligne cette citation. L'isolement et l'indépendance sont essentiels à la rédemption de la race basque, à la reviviscence de cet âge d'or oublié, disparu, que Sabino, tel un messie, prétend ressusciter. Afin de guider son peuple, l'idéologue fonde en 1895 le Parti nationaliste basque, formation destinée à rassembler et à mobiliser les Basques jusqu'à la réinstauration de la nation mythique. De ce point de vue, la disparition de l'idéologue en 1903 ne change rien. Au cours des décennies suivantes, le PNV demeure fidèle à l'objectif de création de cette nation mythique, je souligne bien, même si Arana a adopté à la veille de sa mort
un discours beaucoup plus modéré, qui est l'objet de nombreuses polémiques. Le positionnement initial du guide, néanmoins, constitue l'essence de la pensée nationaliste, élément indispensable à l'articulation de son discours sur la réalité basque. Je vous remercie.